Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Voilà, chers compatriotes, Tokobandakakana, information Oyo et Zali en vigueur, ce qui fait le buzz en ce moment. C'est-à-dire que hier, dans un briefing du président de la République, ou des briefings, tout dépend. Voilà, le président de la République a traité l'Union européenne, je peux dire en termes banal, il a traité l'Union européenne de tous les noms, et l'Union européenne le mérite. L'Union européenne est un receleur, d'abord un receleur, parce que il signe un protocole d'accord pour l'extraction de minerais, la fourniture de ces minerais, d'un voleur. Un voleur qui accepte même qu'il est voleur. Et qui se pose la question en disant, mais les minerais passent par chez moi. Alors qu'est-ce que vous dites de là où partent les minerais? À Bruxelles, à Dubaï, en Russie, à gauche et à droite, comme il le dit. Alors vous avez compris qui est le véritable voleur. C'est ça que Paul Kagame dit. Mais le premier voleur, c'est lui. Parce qu'il accepte d'être voleur, que les minerais arrivent d'abord chez lui. Lui, il est le premier voleur. Et le deuxième voleur, maintenant il est connu parce qu'il a cité, et même le voleur, le receleur. Il signe un protocole d'accord, l'Union européenne. Chers compatriotes, nous allons nous attarder seulement sur ce sujet-là. Voilà, permettez un peu, je commence juste avec un petit extrait. Pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée? Comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bounagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Voilà, chers compatriotes, dans cet extrait, nous pouvons comprendre une chose. Le président de la République se défend de ne pas pouvoir attaquer tout de suite le Rwanda ou l'Ouganda, en libérant Bounagana n'importe quoi, comment et de n'importe quelle manière. Il dit qu'il faut qu'il se donne suffisamment de temps pour avoir une armée dissuasive, suffisamment dissuasive. Bon, le niveau auquel on est déjà arrivé, pour lui, il est bon. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il ajoute qu'il faut que notre armée soit suffisamment dissuasive, c'est-à-dire une armée qui fait peur. Chers compatriotes, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, personnellement, ma position, elle est mitigée. Hein. Nous allons attendre jusque quand? Le président est parti à Addis Abeba. En revenant, bombardement de Saké. Pendant qu'il se trouvait à Addis Abeba,
bombardement de l'aéroport. Eh bien, nous allons attendre jusque quand? Pendant ce temps, les troupes sont massées au de la frontière de l'autre côté, du côté rwandais et du côté ougandais, peut-être, je pense. Ils veulent faire un assaut final sur Goma ou quoi? Donc, eh bien, nous comprenons bien, le président, il peut avoir raison, mais trop attendre pendant que ce temps, nous sommes en train d'être attaqués et que nous, on ne riposte même pas. Il n'y a même pas un engin explosif qu'on peut envoyer de l'autre côté de la frontière pour leur faire peur. Mais c'est vrai qu'ils ont l'OTAN derrière eux, Kagame a l'OTAN derrière lui, mais nous avons les BRICS, pas directement, mais nous avons les BRICS indirectement. Il y a l'Afrique du Sud qui est là, l'Afrique du Sud fait partie du BRICS, et qui dit BRICS dit la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, tous ces grands pays là. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir ces pays-là qui nous soutiennent, chers compatriotes. C'est pas ça. Moi, je pense que c'est ça. Oui, il dit que ben, ce n'est pas la peine qu'on attaque Bounagana ou qu'on attaque je ne sais quelle position des Rwandais et qu'après, ils reprennent. Il veut être suffisamment sûr. Eh bien, bon, moi, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Je ne suis pas aussi d'accord. Nous ne pouvons pas dormir. On nous attaque tous les jours. Et nous, on ne peut pas riposter. On ne peut ni fermer les frontières, ni riposter, ni leur envoyer un engin explosif. Un missile, par exemple. On va laisser qu'on nous frappe, qu'on nous frappe. C'est comme un boxeur, je ne sais pas, qui se laisse frapper jusqu'à être terrassé. On finira par être terrassé. Est-ce qu'on ne court pas le risque qu'on nous prenne la ville de Goma dans un assaut, un grand assaut? Oui, ils envoient leurs bombes, ils larguent leurs bombes. Et s'ils larguaient 50 bombes à la fois, 100 bombes à la fois? Voilà, chers compatriotes, c'est comme vous voyez, bah, chacun d'interpréter comme il peut, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord de dormir et d'encaisser, de continuer à encaisser les bombes des Rwandais. Suivant. À la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda. Et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Une belle question de Marius, mais nous en avons déjà parlé et l'extrait que nous avons exhibé tout à l'heure en parle déjà. Mais écoutons le président, comment il va expliciter là-dessus, parce qu'il en a déjà parlé. On va encore l'écouter, comment il va répondre à la question pertinente du journaliste Marius. C'est bon. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'est peut-être un mot sorcier. mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution,
on la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de la communauté d'Afrique de l'Est, pas économique. Le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant que ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Il avait bien sûr dit à la moindre escarmouche, bon, il dit que les conditions actuelles ne lui permettent pas de réaliser ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des processus en cours. Quels sont ces processus? Il dit qu'il veut donner la chance à la paix si on peut l'obtenir d'une façon diplomatique, mais vous vous souvenez que le processus de Luanda a été rejeté par Paul Kagame, le processus de Nairobi rejeté par les M23 alias RDF. Ça va donner quoi? Il dit qu'il va encore aller en Angola. Il était à Addis Abeba avec le président angolais, qui les a vus séparément. Et en Angola, il va encore les voir séparément. Mais tout ça, on fait promener le président, c'est très dangereux. Ils peuvent lancer un missile sur son avion. Il n'y a pas longtemps, à Addis Abeba. Et le 27, il veut partir encore en Angola. Ça ne va rien donner, parce que Paul Kagame ne respecte rien. Ne respecte rien. Parce que ses mentors, les voleurs de l'Union européenne, ils l'ont démontré. Parce qu'ils achètent chez un voleur, et un receleur, c'est un voleur. Ils ne sont pas crédibles. Salva Kiir, c'est quoi le président Salva Kiir qui va venir à Kinshasa? C'est un ilotique. Salva Kiir, le président de l'EAC. L'EAC, c'est pas pour nous. L'EAC, c'est pour la balkanisation de la République du Congo. Ils l'ont démontré. Les Ougandais, les Kenyans, quand ils sont venus, ça va donner quoi? L'arrivée de Salva Kiir à Kinshasa. Nous n'avons aucune confiance en ça. Le président, bon, il est bon, il a l'air d'un pasteur, il est pacifique, mais il faut quand même pas exagérer.
C'est vrai qu'il est catégorique, ben, qu'il reste catégorique jusqu'à la fin. Pas de dialogue, pas de conversation même avec Kagame. Avant même de parler avec Paul Kagame, il faut que les forces rwandaises, les RDF, se retirent du Congo et cessent de nous bombarder. Il y a des initiatives américaines. Combien de fois il y a eu ces initiatives américaines? Ils sont hypocrites, ils ne respectent rien. Où est le partenariat privilégié des Américains qu'ils ont chanté pendant ces 5 ans passés? On ne voit rien. Ils ne sont même pas venus investir. Ils ont continué à aider le Rwanda. Ils ont fait semblant de sanctionner Willy Ngoma. Ils n'ont jamais sanctionné Paul Kagame, ni ses généraux. Eh bien, pouvons-nous nous fier en sa bonne foi? Est-ce que nous sommes dans le bon? Mais nous remarquons sur le terrain que ils sont de plus en plus mordants. Pour preuve, la nuit d'hier à aujourd'hui, ils ont bombardé la ville de Sakai. Il y a 3 enfants qui sont morts. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, ils ont massacré hommes et femmes, et surtout des femmes. Je ne vais pas vous montrer la photo de la dame là qui est morte, et l'enfant pleure sur son dos. Un bébé de peut-être 8 mois, 9 mois, ou un an sur le dos, en train de pleurer. Et la mère sanguinolente, déjà morte. Les crimes de Paul Kagame. Et nous devons encaisser, continuer à encaisser, chers compatriotes. Monsieur le Président de la République, ou Excellence, mettez quand même de l'eau dans votre vin. La reconnaissance par Tshisekedi de la position courageuse de Louvumbu contre les atrocités commises au Nord Kivu reflète un engagement en faveur de la justice et du patriotisme. Louvumbu, expulsé du Rwanda pour avoir utilisé un geste symbolique afin de faire la lumière sur le génocide en cours perpétré par le M23 des FDR de Kagame, trouve un soutien dans la promesse de Tshisekedi d'exprimer sa gratitude au nom de la République. Ce geste reconnaît l'importance des individus qui défendent la vérité et envoie un message fort contre la suppression des voix qui défendent la justice et les droits de l'homme. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-le. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il était incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses, enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que... Une fois de plus, Tshisekedi accuse Kagame d'exploiter les minerais de la RDC pour le développement du Rwanda. Les partisans de Kagame soutiennent qu'il a développé le Rwanda. Heureusement, avec Tshisekedi comme président, à la différence de Kabila, qui a permis le volume de minerais, la RDC a maintenant un dirigeant déterminé à y mettre fin. De l'Union européenne qui a signé cet accord, vous le savez, pour l'accord de valeur durable pour les minerais stratégiques avec le Rwanda. Excellence, on sait
sauf si il y a changement, que le Rwanda ne possède pas justement ces types de minerais. Votre commentaire en tant que président de la République démocratique du Congo. C'est de l'imposture, je l'ai dit. C'est vraiment une provocation, mais de très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda... Voilà, ça c'est très bien ce qu'il dit. Là, je suis parfaitement d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. La signature du protocole d'accord de l'Union européenne avec le Rwanda sur l'extraction, le raffinage des minerais, et il cite même le nom d'une usine de raffinage du Tantal qui existe déjà. Vraiment, c'est une provocation de mauvais goût. Ça, c'est les mots du président. Une provocation du mauvais goût. Suivez, hein. Là, il va dire que c'est lui qui achète chez le voleur. C'est aussi un voleur. Bon, en français, on dit receleur. Suivez. N'a même pas un gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça. Sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne. Ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons, nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires, pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. Les critiques de Tshisekedi à l'égard du récent accord de traitement des minerais conclu entre l'UE et le Rwanda mettent en lumière les inquiétudes des pays occidentaux qui utilisent Kagame pour exploiter les minerais de la RDC. Tshisekedi affirme que le Rwanda manque de minerais essentiels, ce qui suggère que la RDC pourrait envisager des mesures diplomatiques et juridiques à l'encontre de l'Union européenne. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à deux reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, défunt Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies
de deux colonnes, à deux reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays ?» C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière injustement depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Demander, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23, parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le. Mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion, parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire « Oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. » Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas Congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'internet, pas d'exclusion de candidats que qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Voilà, Bandek Nabiso Babolingo, Boyoki Binomoko. Voilà, tout accuse Paul Kagame. Il n'y a que Paul Kagame, il n'y a pas de M23. Et si vous suivez le président, il est en train de parler avec colère. Il est en colère. Mais je trouve, chers compatriotes, que le voyage de Luanda, c'est un voyage inutile. Ça va toujours accoucher d'une souris. Eh bien, je trouve que même il n'est pas nécessaire qu'il aille. Il peut envoyer le ministre des Affaires étrangères par intérim peut-être, qui expédie les affaires courantes désormais. Il peut aller à sa place. Hein. Donc l'heure n'est pas bonne pour des déplacements répétés pour le président de la République. Voilà, vous avez entendu comment il a fustigé l'Union européenne, hein? Mais il dit qu'il y a quelques pays européens, quand même, qui ont montré leur désaccord.
Voilà, chers compatriotes, nous finissons par là. Et nous prions beaucoup pour notre président, continuons à prier parce que nous sommes des chrétiens. Et en même temps, encourageons-le quand même avec ses efforts diplomatiques. Mais aussi qu'il se rassure, puisque c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui a les pressentiments de ce qui peut arriver ou non. Il est très bien renseigné. Nous pensons que nous pouvons lui faire confiance, que la guerre, on ne la fait pas n'importe comment. Bon, il veut être suffisamment rassuré et être le plus armé possible pour dissuader, pour faire peur par la quantité des armes que nous aurons, être sûr. Nous devons avoir aussi des missiles antimissiles. Je pense que c'est ça qu'il faut, parce que il nous envoie beaucoup de bombes ou de missiles à distance. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Félix.